Salut à tous, c'est Rudy d'AviMobile et je vous explique dans cette vidéo comment accéder aux options pour les développeurs. C'est parti! À quoi servent les options pour les développeurs? Celles-ci sont principalement dédiées aux développeurs pour leur ROM. Elles peuvent également servir pour changer le moteur d'exécution des applications, donc Dalvik ou Art, depuis Android 5.0 Lollipop. Elles vous permettront également de pouvoir gérer les animations de la page d'accueil, les vitesses d'animation, mais surtout au débogage USB que tant d'utilisateurs recherchent. Pour les activer, il vous suffit tout simplement d'aller dans les paramètres, aller dans la section « Aller à propos de l'appareil » et vous verrez tout simplement apparaître le numéro de build de votre smartphone. Maintenant, appuyez 3 ou 4 fois sur ce numéro de build pour voir apparaître les options pour développeurs. Un petit message vous confirmera que cette action est bien active. Vous pouvez donc maintenant faire retour pour retourner aux paramètres ou tout simplement accéder aux paramètres à nouveau et vous verrez dans ces menus les options pour les développeurs. Vous n'avez plus qu'à accéder à ces options et voir tout ce que celle-ci propose. Bien évidemment, pour que cela soit fonctionnel, il vous faut activer ces options. Ou sinon, si elles ne vous servent plus à rien, pensez bien à les désactiver. Notez bien qu'une fois ces options activées, elles ne disparaîtront plus des paramètres. Pour cela, il vous faudra donc réinitialiser votre smartphone. J'espère que cette astuce vous aura été utile et surtout n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez régulièrement ou non ces options pour les développeurs. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres astuces disponibles sur la chaîne AviMobile mais également sur avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres astuces.